Les amis, c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, comme d'habitude, tu cliques sur t'abonner, mais tu n'oublies pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui pourraient sortir. Avant même de continuer vraiment, enfin d'entrer dans le vif du sujet de cette toute nouvelle vidéo, je souhaite juste faire un petit retour sur l'ouverture de colis que j'ai fait récemment par rapport à attendez, j'ai encore oublié de le nom du site. Et sigleplanet.com par rapport à ma cigarette électronique qui est là. Au final, elle était déjà un minimum rechargée comme pour la plupart des cigarettes électroniques. Généralement, quand on l'a, tout le moins quand on la commande et qu'on la reçoit, elle est un minimum rechargée. Et j'ai envie de vous dire, ça fonctionne même très bien en fait. On peut même régler au niveau du voltage. Du coup, vous verrez. Pas forcément trop bien, on peut régler, hop, on peut baisser, tac tac. Bon, ça peut aller jusqu'à, attendez, je vais vous dire, jusqu'à 4,8 volts. On a aussi la barre là à ce niveau là qui nous dit à quel niveau est la batterie. Là ça allait à 3/5, 3 barres et elle fonctionne même très bien. Attendez, ça fait une bonne petite fumée comme j'aime ça. Voilà, c'est juste le petit retour entre guillemets, pas si mal que ça d'ailleurs, hein. Donc du coup nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, parce que la parenthèse est fermée. Une autre ouverture de colis où j'ai pu, j'espère que le bruit n'est pas j'espère que ça n'a pas été cassé, parce que je sais qu'à un moment donné c'était un peu tombé de mon sac, mais bon, on verra bien, hein. J'ai un peu la poisse à la Pierre Richard en fait. Donc c'était il y a il me semble que c'est dans la semaine ou la semaine dernière, j'avais parlé que je voulais me commander du coup un nouveau trépied, hein, qui pouvait me permettre du coup de pouvoir avoir une longueur de par rapport au trépied un peu plus longue. Du coup je l'ai reçu, acheté sur Amazon. Du coup bah, j'ai quand même retiré du coup le carton Amazon, et ça va, il y avait encore un autre carton qui permet de vraiment faire une ouverture de colis, ce qui permet du coup bah, de faire quand même entre guillemets au moins une ouverture de boîte, même si à proprement parler ce n'est pas la boîte du truc, et bien évidemment je n'ai jamais mon pudeur à portée de main, mais on a toujours le ciseau. Ok, hop, déjà voilà, déjà attention, ça c'est la partie pour caler le téléphone. Hop. Alors, déjà vous voyez un peu, hop. On n'avait plus, il y en a encore, excusez-moi les amis, hop. Donc du coup, ah oui, non mais j'ai la télécommande qui s'est mise. Alors comme ça au moins vous savez qu'il y a une télécommande. C'était même indiqué. D'ailleurs le truc qui est peut-être un peu bizarre, c'est pourquoi à s'activer alors que c'était dans le carton fermé. Alors que généralement c'est pas censé être pour s'activer en fait. Du coup là je l'ai éteinte. Donc, ici je pense que cela doit être du coup effectivement le mode d'emploi. Après ça fait, enfin c'est mode d'emploi, ça récapitule un peu ce qu'on est censé avoir, ça va être assez simple, hop. Donc voilà le truc simple, mais bien évidemment tout en anglais, hein. C'est pas beau, mais bon en même temps un truc aussi convenu, je vais essayer de pas être trop attendu. Ça a l'air de mettre à la fois léger et faire un peu son poids quand même. Donc un peu la taille de la bête. Donc déjà par rapport à la longueur de mon bras. D'ailleurs le téléphone il n'est pas si grand. Hop. Si ça faut. Ouais. Donc déjà je pense que ça a l'air d'être un peu chiant pour du coup déplier.
peut-être déchirer la pub. Alors j'ai bien, j'essaie les doigts. Ah oui, alors. Nous avons une petite molette à ce niveau-là. Donc on desserre. Ça facilite du coup. Ouverture. Enfin, je ne vais pas l'ouvrir trop là parce que bon, je n'ai pas forcément envie de passer un quart d'heure pour le truc. Bien évidemment, vous me verrez le faire et tout. Donc là, c'est pareil, ça va être aussi pareil pour régler certaines choses. Donc là, c'est vraiment une ouverture de colis déjà pour pouvoir voir comment le truc fonctionne, enfin, ce qu'il y a vraiment dans le colis. Et j'ai même envie de dire, même en mettant comme ça, si ça se trouve, sans avoir à le déplier, ça peut être bien. Attendez. Ah ouais, il y a encore plein de... Non, parce que là, je suis en train de me dire, si ça se trouve, j'ai pas besoin de déplier les pieds pour pouvoir l'utiliser. Genre, là, j'ai envie de vous dire, si je ne passe de coup dessus, si ça se trouve avec le poing du téléphone, ça peut être bon comme ça, même en étant assise. Vous voyez le truc venir ou pas? Donc, nous avons également cette pièce-ci qui, je pense, est plus par rapport pour promettre un appareil photo. Donc, je pense que quand on voit à ce niveau-là, ça doit être pour caler l'appareil photo. Après, c'est pareil, il va falloir que je regarde à un moment donné, il y a plein de trucs. Va vraiment falloir après, pareil, que je regarde du coup. Ah oui. Ah si. Ceci se retire. Du coup, on passe sur le dessus. Vous vous souvenez quand il était relevé? Hein? Du coup, hein? On essaie de le mettre. Ouais, tac, tac, tac. Pour moi, mettre le. Tac. Logiquement, ah ouais, c'est pareil ça. Mon système de je serre, je desserre. Pareil, on peut bouger le truc. Hein. On connaît tous un peu le système. Je vais essayer de ne rien perdre, de ne rien casser. Et pareil, du coup, on a le fameux dispositif, on peut dire ça comme ça, pour pouvoir caler le téléphone. Donc, pouvoir le caler soit en le mettant à ce niveau-là, donc du coup, c'est comme ça, ou en le mettant au niveau du dos. Pareil, système rétractable. Si ça se trouve, celui que j'ai déjà sur ce trépied-là peut tout aussi bien fonctionner. L'autre qui peut être bien, je suis en train de me dire que il se met déjà sur le truc qu'on peut mettre sur le à ce niveau-là. Bon, je pense du coup à serrer. Hein. C'est le truc qui est plus pratique en fait. On peut directement tout mettre. Donc ça sera vraiment à tester à l'occasion. Je pense que pareil, j'avais une ouverture de boîte de cartes que je pourrais faire. Du coup, je pense qu'avec celui-là, ça sera plus pratique que le trépied que j'ai là actuellement avec lequel je fais la vidéo. Parce que déjà, c'est que le truc, il est court sur pattes, on peut dire si on peut dire c'est comme ça. Et que bah, du coup, c'est pas forcément très pratique. Même déjà là pour faire des vidéos, parce que du coup. Là, je suis obligé de m'éloigner un petit peu. Et que du coup, bah, même en défaut, en étant assise, mais n'importe où, il suffit que là où je le pose, ça soit trop haut ou trop bas, c'est pas pratique. Là, je pense que ça va être beaucoup mieux de faire mes vidéos avec ça. Alors, je dirais pas que c'est lourd de ouf. Je peux pas dire que c'est léger parce que ça fait un peu son poids. Mais c'est pas non plus un poids excessif en fait. Franchement, on peut le porter assez facilement. Comment vous dire que même un gamin, on va dire, enfin un enfant de 4-5 ans peut le porter facilement, même un peu à une main en fait. Donc c'est pas non plus un poids de ouf. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, vous aurez le prêt avec. Je crois qu'il n'était pas si excessif que ça, il me semble. Je me demande s'il n'était pas dans la trentaine d'euros. Je pense que ça peut être aussi le truc pratique à embarquer comment dire, en voyage. Je pense que ça peut facilement se mettre dans un sac. Peut-être pas forcément sac à dos.
ça dépend de la taille du sac à dos, mais je pense que ça peut être le truc qu'on peut emporter assez facilement en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'ils doivent faire aussi des housses spéciales justement pour éviter d'abîmer le truc. Donc je le testerai, je vais essayer de le tester au plus tôt. Pareil, une autre ouverture, pardon, une prochaine vidéo aussi, ouverture de colis va arriver avant celle d'ouverture de carte. Bien évidemment, comme c'est une vidéo qui va être assez rapide d'une certaine manière, celle qui va arriver, l'autre ça va peut-être prendre entre guillemets peut-être un peu plus de temps. Déjà que moi je m'habitue à faire un tour et le bon angle pour ça, sans vous mentir, je suis un peu fatigué en plus en ce moment, surtout depuis ce matin, mais vous inquiétez pas, ça permettrait de toute façon d'avoir un retour sur ça, de pouvoir donner mon avis dessus. Et pareil avec l'ouverture de carte, enfin, on fera deux. Dans le pire des cas, ça sera sûrement pour la semaine prochaine. Éventuellement, donc on verra bien. Je vais quand même essayer au moins d'en faire une sur les deux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Après, c'est pareil, là je suis bientôt en vacances. Je vais essayer de trouver des idées de vidéos à vous faire. Donc à bientôt et surtout prenez soin de vous les amis.